Bonsoir Olivier Christin, vous êtes historien, actuellement professeur d'histoire moderne à l'Université de Neuchâtel et directeur d'études à l'EPHP, École pratique des hautes études. Vous êtes sans doute bien d'autres choses, mais en ce qui nous intéresse ce soir, c'est que vous êtes aussi directeur du CEDRE, qui est le Centre européen des études républicaines. Pas besoin d'en dire beaucoup plus, vous avez une très belle notice Wikipédia et un site personnel où vous retrouvez la bibliographie d'Olivier Christin. Et vous venez nous parler aujourd'hui de l'alternative républicaine dans l'idée de permettre à chacun de retrouver le sens du mot république pour mieux en comprendre ses enjeux. La parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, on a perdu un petit peu de temps, donc je vais passer les passages obligés de remerciements. Je suis très touché à titre personnel, à titre institutionnel de cette invitation. Je suis doublement touché parce que j'ai été à Lyon pendant longtemps et que j'étais président de l'Université de Lyon 2 à un moment et que j'ai veillé à ce qu'il y ait le plus de rapprochements possible avec l'ENSIB et que nous avions construit ensemble un master et que j'avais eu le plaisir aussi de siéger ici dans plusieurs réunions. Que je suis membre, alors que le CNRS l'interdit totalement, les doubles affiliations, je dois être membre encore d'une équipe de recherche de l'ENSIB, qui est le centre Gabriel Naudé. Donc voilà, j'avais toute une description pourquoi j'étais content et très heureux et que c'était important. Mais je voulais dire peut-être que l'essentiel, c'est je vais essayer de parler en deux moments. Vous m'arrêtez si j'apprends à nager au poisson et que vous savez parfaitement ce que je vais dire. Je voudrais parler en deux moments. Un moment sur les questions de lexique, parce qu'on n'a jamais autant parlé de la République, des valeurs de la République, des valeurs républicaines, du pacte républicain, du républicanisme, de la laïcité qu'aujourd'hui. Et tout se passe comme si, plus on en parlait, moins on comprenait de quoi il retourne exactement. Donc je voudrais faire un tout petit point sur ça en utilisant un outil. J'ai honte devant les conservateurs que vous êtes, les futurs conservateurs que vous êtes, de l'outil que je vais utiliser, qui est d'une banalité, qui est l'application Ngram de Ngram Viewer de Google. C'est absolument lamentable hein, d'utiliser ça. Mais en même temps, je revendique comment Ségolène Royal dirait, lamentabilité, je suppose, ce truc lamentable, en disant que c'est justement parce que c'est banal et que c'est un outil extrêmement courant que ça nous dit quelque chose sur les usages les plus triviaux et les plus banals et les plus courants de certaines expressions. Donc je voudrais commencer comme ça et pointer quelques problèmes, par exemple d'histoire conceptuelle ou quelques problèmes d'usage lexicaux, spécifiquement français ou non, autour de ces questions du républicanisme, de l'opposition. Je reviendrai sur l'opposition qu'on peut établir entre république et démocratie. Est-ce que c'est la même chose? La confusion qu'on a pu établir entre république et régime représentatif, ce qui n'est pas la même chose non plus. Je voudrais revenir sur ça. Et puis j'ai une deuxième partie, un deuxième moment où je voudrais revenir sur les grands courants d'interprétation de la question républicaine et les écoles qui s'opposent autour de la question républicaine, en essayant de sortir des débats qui ont été en France très très dominés par des débats autour de la Révolution française et de l'héritage de la Révolution. Donc c'était les débats Furet, Marcel Gauchet, Furet, Mona Ozouf, Vincent Peillon, Christophe Rochasson, Vincent Duclert, des noms que vous connaissez et qui ont tendance, c'est des très bons débats, il y a eu des choses excellentes qui ont été faites, mais qui ont eu tendance à ramener la question républicaine exclusivement à une question nationale, à une question aussi d'héritage révolutionnaire. La révolution est-elle finie ou pas? Les appartenances politiques ont-elles été déterminées définitivement par des choix qui ont été faits au moment de la révolution, par exemple constitution civile du clergé, etc., ou non? Et je voudrais simplement faire un pas de côté et dire il y a toute une tradition, notamment italienne, ou une tradition anglo-saxonne, une tradition suisse et allemande, d'histoire du républicanisme et d'histoire des républiques, qui posent les problèmes de manière totalement différente et qui permettent de donner un peu d'air aujourd'hui dans les débats. Je pense par exemple à toute la tradition du républicanisme atlantique, de Pocock, Skinner. Voilà. Donc vous m'arrêtez si c'est des noms qui vous sont extrêmement familiers ou pas. John Pocock, Quentin Skinner, Philippe Petit, Maurizio Viroli, Norberto Bobbio, voilà, c'est un peu ces gens-là que je vais évoquer. Alors, j'ai fait passer, on a organisé au moment de la naissance du petit centre d'études, du Centre européen d'études républicaines, on a organisé un débat justement entre ces deux écoles historiographiques. Donc là, c'est une petite brochure qui présente un tiret à part de la revue d'histoire, qui présente le centre. Et on a organisé une rencontre qui n'avait jamais eu lieu entre Vincent Peillon,
donc l'ancien ministre de l'Éducation nationale, mais qui est d'abord et avant tout un philosophe, et un philosophe des idées républicaines. C'est à l'origine un spécialiste de Merleau-Ponty, puis c'est devenu un spécialiste de Vachereau, Barny, Ferdinand Buisson, Jaurès. Il écrit des choses intéressantes, mais qui est vraiment dans une perspective très française, très 19e. Et on a organisé une rencontre avec Quentin Skinner, qui est le représentant de l'école de Cambridge et le grand spécialiste de beaucoup de choses, mais on va dire quand même un lecteur de Machiavel incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez son petit livre sur Machiavel. Ça donne envie de relire Machiavel et de se convertir totalement à la pensée de Machiavel, pour moi. Ou un livre très très beau sur Hobbes, sur les théories de la liberté avant le libéralisme. Absolument magnifique. Puis on est en train d'éditer toute son œuvre en ce moment. Et on a organisé une rencontre et on a fait, ça a été publié dans la revue L'Histoire par le traducteur de Quentin Skinner et par moi-même. Et si ces questions vous intéressent et si notre débat vous retient votre attention, je proposais d'envoyer une cinquantaine d'exemplaires de ce tiré à part si vous souhaitez que vous puissiez avoir ça. Alors, ces 50 exemplaires seront là la semaine prochaine. Voilà. Voilà, le Centre d'études républicaines est d'une efficacité énorme. Alors, je voudrais commencer par la première partie très très simple. Je voudrais commencer par vraiment un exemple banal, construit, je vous l'ai dit, j'en ai honte, avec le plus simple des outils, l'application Ngram Viewer de Google, que mes filles de 14 ans m'ont expliqué. Elles m'ont dit, voilà, au lieu de te casser la tête à faire ça, tu peux avoir un outil lexicologique très rapide. Alors, on peut évoquer tous les défauts de cette application, mais l'essentiel, c'est qu'elle permet d'établir à moindre coût un fait majeur que je voudrais regarder avec vous. Voilà. Ce fait majeur, pardon, je vais faire ça, F5. Voilà. Ce fait majeur, je suis désolé, la qualité n'est pas formidable. Ce fait majeur, c'est que l'expression « valeur républicaine » ou « valeur de la République », là, j'ai pris un lissage sur 3 ans. J'ai mis case insensitive, donc on aurait pu mettre des majuscules, pas de majuscules, des guillemets, pas de guillemets. On a exactement la même chose si on fait valeur de la République. L'expression valeur républicaine ou valeur de la République, qui nous sont devenues tellement familières que nous ne pensons plus nécessairement à nous demander ce qu'elles signifient véritablement. Il y a un colloque à Lille le 2 février sur qu'est-ce que c'est que les valeurs de la République. C'est comme les lois fondamentales du royaume au XVIe siècle. Il n'y a pas de liste des lois fondamentales. Voilà, donc, où c'est les 10 commandements, Dieu a oublié de les numéroter. Donc les confessions n'ont pas la même numérotation des 10 commandements. Mais c'est la même chose sur les valeurs de la République. Est-ce que les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité? Mais dans ce cas-là, il manque laïcité, ou il manque égalité entre les sexes. Voilà, les valeurs de la République, c'est une chose plastique qui change avec le temps. Et pourtant, l'expression est partout. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est qu'elle apparaît massivement dans les discours, dans la presse, dans les ouvrages imprimés, dans ce que mesure Google, Ngram. Ngram, c'est que l'expression commence à occuper une place importante dans le discours politique avec les années 1980. On pourrait... Le phénomène n'est pas propre à la France. J'ai pris ici Republican Values, avec des majuscules, sans majuscules, etc. Et on a exactement la même courbe avec une envolée de l'expression Republican Values à partir du début des années 80. Donc on l'observe dans le monde anglophone, c'est très différent dans le monde italien, pour des raisons particulières qui sont liées à l'histoire de l'Italie aussi. Mais si on choisit par exemple un mot précis, on choisit de prendre en compte une seule de ces fameuses valeurs de la République dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'une de celles qui joue actuellement dans le débat politique un rôle central et un rôle clivant, on pourrait prendre par exemple l'idée de laïcité ou le concept de laïcité, eh bien on retrouve à peu près le même constat. Ce qui est fascinant, moi je trouve, alors toujours l'instrument vaut ce qu'il vaut, Ngram, c'est qu'on aurait pu s'attendre à une envolée du terme de laïcité au moment du petit père Combes, des luttes anticléricales de la fin du 19e siècle ou de la loi de séparation de 1905. Non, alors bien sûr, l'instrument a des défauts, il y a plus d'ouvrages publiés, il faut tenir compte, pondérer tout ça, mais quand même, on assiste à une envolée des usages à partir des années 80 et par exemple à partir des années 2000, là, il y a vraiment une flambée des usages du mot laïcité. Donc faible occurrence dans les sources mesurées par Google, 1870-1940, en pleine querelle scolaire, en pleine loi sur la séparation de l'Église et de l'État, et puis les occurrences s'envolent à partir des années 80. Et si on cherche une preuve à contrario, là aussi elle vaut ce qu'elle vaut, on peut tout à fait en discuter de mon choix et dire c'est un choix de paresse. On peut prendre une preuve à contrario et de dire allons chercher un terme qui aujourd'hui dans le débat public fonctionne en couple.
parce que les concepts fonctionnent aussi un peu comme des polarités magnétiques, par exemple communautarisme et citoyenneté, mondialisation et environnement, voilà, des couples qu'on nous fait fonctionner comme solidaires et opposés. Eh bien, allons chercher un opposé, un terme qu'on nous donne comme le plus opposé dans le discours contemporain aux valeurs de la République et en tout cas à la valeur de la laïcité. Et prenons par exemple le terme d'islamiste. Ce serait la même chose avec djihadiste ou djihad ou islamique. Eh bien, on trouve une envolée extrêmement contemporaine aussi, les années 80. Donc j'arrête avec cet instrument parce que voilà, il faudrait le pondérer, il faudrait regarder quels sont les ouvrages pris en compte pour dire rapidement que ça permet quand même d'établir trois points qui me semblent importants. Le premier point, c'est d'abord, et ça je crois que c'est très important de le rappeler, c'est le point de l'historicité de la langue politique. La langue politique change, elle se transforme et elle multiplie les innovations. Voilà, multiplie les néologismes, les innovations, les nouvelles expressions. Pour coller au monde tel qu'il est, sans doute, pour désigner des réalités qui n'existaient pas il y a quelques années, on peut donner l'exemple Brexit, Grexit, voilà, des mots qui n'existaient pas parce que la réalité qu'ils désignent n'existait pas, mais aussi ces termes et ces inventions lexicales ont la fonction de faire exister par la force performative des mots, font exister des choses, des idées, des mouvements politiques, qui n'ont peut-être pas d'autre existence que dans les expressions qui servent à les forger. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet humoriste, enfin humoriste, critique, qui fait les conférences gesticulées. Vous avez déjà vu ça, les conférences. Il en a une sur la langue de bois qui est merveilleuse. Il a des cartes de Bristol et il y a 12 mots. Il les bat et il montre les cartes où il y a écrit constat partagé, démocratie locale, développement durable. Et puis il fait un discours avec ça, puis il les rebat dans un autre sens, il fait un autre discours. Il dit déjà 12 cartes, c'est beaucoup. Si c'est avec des préfets, il faut juste deux mots, sécurité et république, qui sont des conférences. Donc il y a, si vous tapez générateur de langue de bois sur Google, vous aurez plein de sites où vous pouvez fabriquer votre propre discours façon, on ne va pas donner de nom, mais votre propre discours qui tourne complètement avec tous les mots et tous les signes et toutes les phrases qu'on pourrait complètement tourner à l'envers parce qu'elles disent tout et le contraire de tout. Et pourtant, je crois que ça, c'est pas, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas s'amuser des néologismes de la langue politique en disant les néologismes et le renouvellement de la langue politique montrent que la langue politique ne parle de rien. Alors, il y a des mots qui collent à des réalités, il y a des choses qui ont juste une force performative d'énonciation et de dénonciation à la fois. C'est par exemple stigmatisation ou glorification, donc, c'est quand on va parler des climato-sceptiques, par exemple une expression récente qui veut désigner et dénoncer en même temps, ou les déclinistes, ou des expressions comme UMPS ou islamo-gauchiste. La semaine dernière, quelqu'un m'a considéré que je pouvais être islamo-gauchiste, mais il n'était pas sûr, je pouvais être aussi islamo-fasciste. Alors, je trouvais que c'était compliqué, bon, je ne savais pas où j'étais exactement. Enfin, il y avait islamo quelque chose à un moment. Bon. Islamo-centriste peut-être, je ne sais pas. Voilà. Alors, dans ce point, ce que je veux dire, c'est que la langue de la politique change et elle nous impose des nouvelles règles. Et c'est, dit Tocqueville, dans la deuxième version de la démocratie en Amérique, hein, la deuxième démocratie en Amérique, Tocqueville dit que ce changement de la langue, c'est l'une des rançons des régimes républicains et démocratiques. Alors, si vous retrouvez ce passage dans Tocqueville, c'est l'une des conséquences de la démocratie, puisque les locuteurs légitimes y sont infiniment plus nombreux. Ce n'était pas le cas de la monarchie, donne l'exemple de l'anglais aristocratique, dans lequel le nombre de locuteurs légitimes était très faible. L'aristocratie, la cour, même chose, vous connaissez ça mieux que moi, la préface de la première édition du dictionnaire de l'Académie française fait du roi le locuteur idéal de la langue française réglée. Cette langue parle de vous et vous parlez cette langue. Voilà, ça qu'on dit au roi. Donc ce n'est pas le cas dans la démocratie, au contraire, il y a un renouvellement de la langue parce que les locuteurs et les locuteurs potentiellement légitimes sont très nombreux. Voilà, ça marche dans certains cas, dans d'autres cas ça ne marche pas, bravitude n'a pas fait carrière. Voilà. Et donc entre langue et république, et il me semble que c'est très important justement pour les métiers qui sont les vôtres, entre langue et république il y a bien une alliance complexe qu'on sent. Peut-on participer à la vie politique d'un pays si l'on n'en comprend pas la langue du tout? Peut-être. Une question légitime, elle n'est pas totalement illégitime. Peut-on considérer comme démocratique un pays qui ne reconnaît pas la pluralité des langues qui y sont parlées?
Par exemple, une question qui se pose très fortement au Canada autour de gens comme Will Kimlicka, de linguistes sur démocratie et multilinguisme. Comment lutter, ou Ben Telila, voilà, comment lutter contre les efforts, les effets de désocialisation et d'exclusion qu'exerce le marché linguistique qui est profondément inégal. Voilà. Il y a un marché linguistique, la langue n'est pas un trésor universel. Il n'y a pas de communisme linguistique, nous parlons tous la même langue. Non. Donc la langue est un trésor inégalement partagé. Et donc ça exerce des effets de sélection, de mise à l'écart, de désocialisation. Donc c'est le premier point, l'historicité de la langue et les rapports entre langue qui se renouvelle et république ou démocratie. Le deuxième point, qui est manifeste dans l'application, dans les courbes N-gram, mais qu'il faudrait décrire en plus en détail, c'est la corrélation des courbes, hein, qui découle en fait de conjonctures langagières fortement liées aux enjeux politiques particuliers des périodes étudiées. Jamais la liste des valeurs de la République n'a été couchée par écrit, comme celle des lois fondamentales. Ça n'a jamais été écrit. On évoque l'égalité de tous devant la loi, on évoque l'égalité des sexes, par exemple, ou encore la liberté d'expression. Mais évidemment, les valeurs de la République ne sont pas, donc c'est évident, que les valeurs de la République ne sont pas contenues dans la seule devise, liberté, égalité, fraternité, devise forgée au cours de la Révolution française. Et que, par exemple, dans les débats contemporains aujourd'hui, on parle énormément de liberté et d'égalité, on va parler moins de fraternité, qui paraît une des valeurs de la République sur lesquelles on insiste le moins. Or, pourtant, elle pourrait être le lieu de débats, par exemple, sur le consentement à l'impôt, sur la redistribution et le consentement à l'impôt. J'y reviendrai. Alors, l'envolée des occurrences, des expressions qu'on a citées avec les années 80 correspond, vous le voyez, en fait, à un tournant dans le débat politique, en partie autour de l'arrivée de la gauche au pouvoir avec François Mitterrand, le début des années 80, de la montée du Front National, qui apparaît dans les radars électoraux à partir de ce moment-là, où on passe vraiment d'un micro-parti d'extrême droite à un parti qui a un poids politique et qui apparaît à la télévision, et à un déplacement, mais surtout, cette envolée des courbes qu'on a vue sur laïcité, sur islamisme, etc., correspond à un déplacement des luttes politiques par rapport aux années 60 et aux années 70. On passe d'anciennes luttes, ça c'est le livre de Luc Boltanski, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle « Rendre la réalité inacceptable », le livre de Luc Boltanski, au fond, sur la trajectoire intellectuelle des sociologues bourdieusiens et de la revue de Pierre Bourdieu, les actes de la recherche en sciences sociales, qui raconte cette histoire-là. Où les luttes politiques passent, et nous vivons ça pleinement, des années 60-70, qui sont, ce sont des luttes sur la redistribution, la répartition et la redistribution via l'école, via l'impôt, via l'assurance chômage, via la sécurité sociale, c'est redistribuer les fruits de la croissance et les fruits de la prospérité économique. On passe de ces luttes sur la redistribution à des luttes sur la reconnaissance, qui est vraiment un thème absolument nouveau à partir des années 80-90. C'est là le philosophe Axel Honneth, et c'est ces travaux-là sur la reconnaissance des différences, différences de genre, différences de religion, différences d'origine, voilà, différences de préférences sexuelles, etc. Cette conversion est décrite par Luc Boltanski, et on voit bien qu'elle modifie complètement les termes du débat politique à partir de ces courbes qui sont si fortement corrélées. Troisième point que je voulais évoquer, c'est qui va nous conduire au cœur de notre propos, c'est l'intensité qu'on voit dans ces courbes-là, c'est l'intensité du mouvement de dérégulation, du moment de dérégulation de la langue politique que nous vivons. On vit un moment de libéralisation des usages linguistiques autour de la République auquel nous assistons, qui ne relève plus de l'adoption ou de la modification ponctuelle de tel ou tel mot, mais bien d'une libéralisation totale des usages qui ne semble plus contribuer à un sens partagé à la fabrication du consensus politique. Je vais en donner deux exemples, hein, que nous connaissons tous. La transformation des usages de laïcité. Vous avez entendu les dernières controverses, par exemple, sur le parallèle que Vincent Peillon faisait entre le statut des musulmans aujourd'hui et le statut des juifs sous Vichy. On finit par avoir laïcité finit par dire qu'est-ce qu'il voulait faire. Il voulait dénoncer les usages punitifs et négatifs de la laïcité d'aujourd'hui. Des usages tournés, selon lui, contre une seule des confessions ou une seule des religions, les musulmans. Et finalement,
laïcité finit aujourd'hui par dire à peu près le contraire de ce qu'elle désignait dans la loi de 1905 et par être l'instrument d'une intervention de l'État et des pouvoirs publics sur les choix religieux d'une partie des citoyens et par conduire à des paradoxes. C'est plus d'une neutralité de l'État et par conduire à des paradoxes que je voudrais juste vous souligner. Théoriquement, le port du voile intégral est interdit dans l'espace public. Il est aussi interdit de fumer dans l'espace public. Sauf que l'espace d'interdiction de la cigarette n'est pas le même que l'espace d'interdiction du voile. Vous pouvez fumer sur une plage, vous pouvez fumer dans la rue, vous pouvez fumer dans votre voiture, mais vous ne pouvez pas porter de voile intégral dans la voiture ou sur une plage. Voilà, une sorte de burkini. Voilà. Passionnante controverse de l'été. Même chose, on a des tenues qui sont interdites sur les plages. Il y a eu des arrêtés municipaux dans le Midi, dans le pourtour méditerranéen. Ces tenues qui sont pourtant considérées comme acceptables dans d'autres parties de l'espace public et par exemple la rue. Donc on arrive à des paradoxes où l'État se mêle, quand même pour la première fois depuis très longtemps, d'indiquer ce qui est possible ou non de porter comme tenue dans certaines circonstances, ce qui paraît vraiment un enjeu particulier, quoi. Et surtout, donc ça c'est le premier exemple, la laïcité qui finit par dire tout et n'importe quoi, la laïcité de la riposte laïque, c'est pas la laïcité de 1905. Et puis deuxième chose, c'est l'irruption dans le paysage politique français que nous avons vécu avec le retour de Nicolas Sarkozy, ça paraît déjà vieilli dire avec le retour de Nicolas Sarkozy, avant son départ, la modification du nom de l'UMP avec le choix d'appeler l'ex-UMP les Républicains. Et là c'est l'importation d'un sens volontairement emprunté à l'espace nord-américain de désignation du grand parti de droite gouvernementale, les Républicains. Et donc, il ne s'agit pas pour moi de porter un jugement sur la légitimité de ce choix, les Républicains, ou de laïcité, mais simplement d'indiquer que ça produit des effets langagiers et que ça importe dans l'espace politique national des configurations de rapports de force tout à fait nouvelles. Premièrement, de dire les Républicains pour désigner le parti de la droite, le parti central de la droite de gouvernement, c'est qu'on élargit le champ des significations possibles du terme républicain en ajoutant un sens de parti conservateur de gouvernement, de parti politique ou de courant politique à la droite de l'échiquier politique, qui, ce sens, vient s'ajouter à d'autres. Et ça donne donc lieu à des collisions entre ce sens et des sens plus anciens. Donc, au moment des régionales, de 2000, je crois que ça devait être 2014 ou 2015, on a vu que les Républicains ne voulaient pas rentrer dans un pacte républicain. Il n'était pas question d'avoir d'accord républicain pour barrer la route fondation. C'est-à-dire, on peut avoir un parti républicain qui ne veut pas de front républicain. Donc on a deux usages dans la même phrase, deux usages différents de républicain. Républicain au sens de tout ce qui n'est pas le Front National, ou républicain au sens le parti de la droite qui exclut et le Front National et les socialistes qui ne sont pas républicains puisqu'ils sont socialistes. Voilà, c'est ça qu'on voit. Donc on congédie l'idée de pacte républicain. Donc il peut y avoir des républicains qui ne sont pas républicains au sens de pacte républicain. Deuxième conséquence, c'est que certains acteurs politiques majeurs, à repenser les partages idéologiques et partisans traditionnels en fonction de ce sens importé, ce nouveau sens du mot les républicains, au sens de le Grand Old Party, au sens de parti républicain nord-américain. C'est un sens importé qui modifie la façon de penser les rapports de force. Et notamment, ça amène à importer en France l'opposition entre républicains et démocrates, entre république et démocratie. Alors, je ne l'invente pas. Sur la correspondance des courbes, eh bien, plus on utilise, ça c'est un sondage pour Atlantico de 2015, plus on utilise l'expression « valeur républicaine », moins les Français y adhèrent. Voilà, c'est des sondages, ça vaut ce que ça vaut aussi. C'est-à-dire, comme si les mots s'usaient à force d'être utilisés. C'est comme les piles à l'époque de Bernard Tapie. Il avait une marque de piles, ne s'use que si on s'en sert. Ben voilà, les mots s'usent parce qu'on s'en sert à tort et à travers. Et donc les gens n'adhèrent plus à ces valeurs républicaines dont on leur fait pourtant des injonctions en partie contradictoires. Donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire, que veulent dire ces usages de plus en plus nombreux qui s'accompagne d'une adhésion de moins en moins forte, ou en tout cas d'une conviction de moins en moins forte. D'où le développement de l'enseignement moral et civique, etc., auquel vous êtes confronté, je suis confronté. Alors, j'invente pas ça, mais vous connaissez ce discours de Nicolas Sarkozy, de novembre 2014, j'espère que vous connaissez tous les discours de Nicolas Sarkozy, qui sont maintenant des classiques de la pensée politique,
que nous n'entendrons plus, ou plus pour jusqu'à son prochain retour. Alors, ce que dit là, c'est un petit extrait du Figaro. Vous voyez en bas, son sens politique est quant à lui à la fois astucieux et très concret. Alors, dont acte. Donc, techniquement, c'est vrai. Donc, c'est le grand discours de novembre 2014. Nicolas Sarkozy revient sur le début et dit « Moi, je suis républicain, c'est pas la démocratie. La République, c'est pas la démocratie. Et pourquoi ? Parce que la République, dans la République, on fait pas n'importe quoi. C'est pas le règne de l'individualisme échevelé et c'est pas le règne de la licence. La liberté ne devient pas la licence. » On a l'impression, là, de la réimportation dans le débat politique, par exemple, du dernier livre de Dominique Schnapper, L'esprit démocratique des lois, qui est un peu sur ça, quand l'individualisme devient excessif, quand la liberté devient licence, etc. Un livre un peu nostalgique et un peu sombre. Techniquement, Nicolas Sarkozy a raison. Et les gens qui rédigent le discours avec lui, vraisemblablement ici Henri Guénaud, je pense. Techniquement, la distinction est importante et elle est juste. Il y a des démocraties, parfois très proches de nous, qui ne sont pas des républiques. C'est le cas de la Belgique. C'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas de l'Espagne, qui sont des monarchies constitutionnelles. L'Angleterre, c'est une monarchie constitutionnelle. La Belgique, c'est une monarchie constitutionnelle. Les citoyens jouissent de libertés comparables à celles qui se rencontrent dans la République française ou italienne. Des élections sont régulièrement organisées. Le système représentatif n'y fonctionne pas moins bien que chez nous. La séparation des pouvoirs y est assurée, etc. Mais une fraction de l'autorité souveraine ou de la souveraineté est détenue personnellement et héréditairement par une personne unique. La reine, le roi. Donc, ce ne sont pas des républiques. Mais la distinction de Nicolas Sarkozy allait plus loin. Elle ne se contentait pas de faire une séparation entre république et démocratie d'un point de vue d'histoire constitutionnelle et d'exercice de la souveraineté. Nicolas Sarkozy opposait république et démocratie. Hein, c'est comme deux régimes d'exercice de la liberté opposés. La république est sur un mode normatif, pas un mode historique ou descriptif, un mode normatif. La République est un régime d'ordre, de règles, de principes collectifs, d'adhésion obligée à un certain nombre de valeurs, la laïcité. Alors, et donc, la démocratie est un contre-modèle où l'emportent les stratégies individuelles, les préoccupations identitaires, les excès de la liberté, la licence, etc. Donc là, vraiment, dans un sens normatif, il oppose les deux. Et pas dans un sens descriptif. Donc je conclue sur cet aspect lexicologique, stratégie langagière. Ces coups de force lexicaux, ces manières de... Je crois que je suis arrivé au bout. Oui, voilà, et on voit pour une majorité. Il y a des conséquences à ça, hein, chez ces choix lexicaux. 2016, sondage 2016 que vous avez vu dans Le Monde, commandé par Le Monde à Ipsos, pour un nombre croissant de Français, une majorité, la démocratie fonctionne de moins en moins bien. Et il y avait dans ce sondage 35% des Français qui pensaient qu'un autre système que la démocratie ou que le régime représentatif pourrait être bien meilleur. Et non seulement un système de pouvoir qui était qualifié de autoritaire, où le pouvoir était conservé dans des mains uniques. Et ils avaient tout le monde en tête, Erdogan ou Poutine, comme merveilleux exemple d'un régime qui fonctionne bien. Donc, conclusion de ce premier point, ces stratégies langagières ou ces coups de force, ces manières de se qualifier comme défenseur de la laïcité ou de la République et de disqualifier les adversaires font partie du jeu politique. Mais elles structurent aujourd'hui une double impasse, elles conduisent aujourd'hui à mon avis une double impasse, c'est-à-dire à une défiance accrue des citoyens devant la politique des partis, donc ce qu'on a vu là, le jeu politique des partis qui leur paraît de moins en moins en prise avec les réalités qu'ils vivent. Ils ont l'impression d'un jeu auto-entretenu. C'est ce qu'on appelle le désenchantement démocratique. On dit nos élus se préoccupent de questions qui les intéressent eux et pas nous les citoyens. D'où les primaires citoyennes, d'où le discours sur les élus sont trop lointains, ne nous ressemblent pas. Les théories autour du tirage au sort, par exemple, il faudrait que les députés ou des conseils municipaux soient tirés au sort. C'est le best-seller des livres politiques de l'an dernier, à part les livres d'hommes politiques. C'est le livre de David Van Reybroek, hein, qui s'appelle « Contre les élections », qui dit « La démocratie, c'est le tirage au sort. Faut abolir les élections en Europe. » 10 000 exemplaires. Des pages entières dans Mediapart, double page dans Libé. On pourra parler du tirage au sort, si vous voulez. Moi, je trouve comme démocratie, on me dit « Reste chez toi et attends d'être tiré au sort. » Si c'est ça la vie politique, ça ne fait pas très envie, autant avoir un vrai dictateur, enfin, quitte à faire, plutôt que d'avoir ma voisine ou mon voisin qui décideront pour moi. Et quel est le statut de l'opposition dans une assemblée tirée au sort? Comment on s'oppose à une assemblée dont on dit c'est vous? C'est vous, il vous ressemble. Voilà, c'est un homme blanc, la cinquantaine, avec des diplômes supérieurs, vous êtes content, vous êtes représenté, je suis représenté par un avocat d'affaires proche du Front National, je devrais être content.
tirage au sort, c'est un vrai souci. Et puis, c'est qu'on fond, il y a une confusion sur ce qu'est la République et le républicanisme qui paraît dans ce vocabulaire qu'on a vu là, valeur de la République c'est l'ordre, c'est l'adhésion à la loi, c'est le consensus, ça paraît une nostalgie, et une nostalgie française. La République, c'est Jean-Pierre Chevènement. Voilà. La République, c'est les instituteurs en blouse grise, c'est 1900, c'est la loi de 1905, c'est la séparation, c'est le petit père Combes. Et les démocraties dysfonctionnent parce qu'on s'est éloigné de ce modèle qui est un modèle d'apogée. Alors, ce que je voudrais faire dans ce centre d'études républicaines européens, c'est de rappeler trois choses. C'est que la République n'est pas une spécificité française et une nostalgie nationale façon Henri Guénaud ou Chevènement, mais c'est un ensemble de traditions, de doctrines, de pensées, de concepts très compliqués et très anciens. Que la République, j'aurais aussi rappelé, qu'en gros la République revient en Occident autour du XIIIe siècle, et qu'on a des traditions républicaines complexes qui s'élaborent, en gros à partir des communes italiennes, de Brunetto Latini, le livre du Trésor, etc. Que la République ou les républiques ne se confondent pas avec le régime représentatif, et qu'elles peuvent s'incarner dans d'autres principes de fonctionnement et dans d'autres systèmes que celui de la délégation par élection de députés, d'élus qui siègent dans une ou deux chambres et fabriquent la loi à notre place. Ça peut être le cas de la démocratie directe, par exemple, en Grèce ou aujourd'hui dans certains cantons suisses où il y a des Landsgemeinde, il y a un usage de la votation populaire, voilà. Ça peut être incarné dans d'autres modèles. Il y a des républiques, des systèmes républicains avant le tournant de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui voit la naissance du régime représentatif. Donc on ne peut pas se contenter de cette illusion rétrospective très française de la République, c'est le régime représentatif, c'est la deuxième moitié du XVIIIe, c'est l'importation des pratiques parlementaires et c'est ce tournant jus naturaliste. Voilà, je reviendrai dessus. Et puis la République, pour citer Jaurès, c'est le troisième point que je voudrais établir, n'est pas un corps de doctrine ni une philosophie unifiée. C'est un discours de Jaurès, dit la République n'est pas un corps de doctrine ni une philosophie unifiée, c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode et c'est une méthode pour un mode, une façon de concevoir la liberté, de conférer les pouvoirs, de contrôler les formes d'exercice, d'établir la supériorité de la loi sur les intérêts particuliers, mais aussi sur l'arbitraire, d'apporter des réponses aux conflits, etc. etc. Donc voilà, j'aborde, il me reste quoi, 20 minutes ? Un quart d'heure ou 20 minutes. Donc je vais en venir à la partie histoire des idées philosophiques, voilà le cœur de ce que je voulais dire. La républicanisme, le républicanisme, c'est d'abord cela. Alors je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ces questions. Si vraiment ce que je dis, vous le savez déjà, vous me faites signe et puis j'accélérerai. Je peux parler encore plus vite. Hein. La République, le républicanisme, c'est d'abord une théorie de la liberté. Il ne faut pas se tromper quand on lit dans des articles de journaux les républicains, les républicains, c'est les instituteurs, c'est l'égalité, c'est un visage poli du marxisme. Non, c'est d'abord une théorie de la liberté et une manière de l'organiser dans les sociétés politiques. Simplement, la manière de concevoir la liberté a profondément changé au cours de l'histoire, fondamentalement changé au cours de l'histoire. Et c'est la teneur célèbre d'un texte que vous connaissez forcément, d'une conférence brillantissime de Benjamin Constant, qui oppose la liberté des anciens et la liberté des modernes au tout début du XIXe siècle. Il dit qu'il y a deux formes de liberté. Liberté des anciens, liberté des modernes, une grande thèse qui a été largement reprise, notamment par Isaiah Berlin, sur liberté positive, liberté négative, je vais revenir. D'un côté, pour Benjamin Constant, il y a la liberté des anciens, c'est-à-dire la liberté de l'Antiquité ou la liberté des cités italiennes, Florence, Sienne, Lucca, Venise, d'une certaine façon aussi. La liberté des cités italiennes de la Renaissance, qui renoue avec les idéaux civiques de Rome essentiellement et un peu de Sparte, pas tellement Athènes. Athènes est moins donnée en exemple par Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Latini, Alberti, Valla, donne moins cet exemple. Machiavel aussi, beaucoup Rome, beaucoup Sparte, parce qu'ils lisent Cicéron, ils lisent Tite Live, ils lisent Tacite. C'est là où ils vont trouver leurs idées. Elles résident dans l'autogouvernance et dans le libre choix des dirigeants. La liberté des cités italiennes, c'est pas de tutelle de l'empereur ou du pape, pas de supériorité territoriale de l'empereur ou du pape, et libre choix à l'intérieur des gouvernants, qui sont soumis à renouvellement régulier, par exemple par le vote ou par la pratique du tirage au sort.
Et par exemple, à Florence, on mélange les deux, vote et tirage au sort, comme à Venise. Il y a une trentaine d'étapes pour choisir le doge, les conseils très compliqués avec le broglio, on discute, on négocie, on tire au sort, on biffe les noms. Voilà. Le citoyen est libre, qui vit dans une cité qui n'est soumise à aucun pouvoir extérieur, celui de l'empereur par exemple, et qui choisit ses gouvernants. Voilà la théorie de la liberté des anciens. Cette conception de la liberté, vous le voyez, repose sur l'exaltation d'un certain nombre de vertus nécessaires au bon fonctionnement de la cité. D'abord, le souci du bien commun. Il faut que la cité se défende elle-même. Se défende elle-même et lutte pour son autonomie. Elle doit se protéger contre les tentatives extérieures. D'où systématiquement l'éloge des citoyens en armes, l'éloge des armées de milices contre les mercenaires, contre les armées professionnelles. Le citoyen libre, le citoyen qui participe à la vie politique, comme à Athènes, c'est le citoyen qui porte les armes. Deuxième vertu, l'austérité et la méfiance à l'égard du luxe, la méfiance à l'égard de l'argent, de l'enrichissement excessif de certains, qui viendrait brouiller l'harmonie de la cité et donner trop de poids aux intérêts privés. Ce qui compte, c'est une honnête modération, une honnête austérité commune. On donne toujours l'exemple de Caton, l'exemple de Cicéron, l'austérité romaine. Et quand le luxe est arrivé à Rome, Rome a commencé à entrer en décadence. La dénonciation des factions, l'intérêt commun prime, la cité unie est l'objectif et la condition de la réalisation du bien commun. Ce sont ces principes du bien commun de la Respublica que l'on trouve décrits, par exemple, chez Brunetto Latini au XIIIe siècle, ou encore chez Leonardo Bruni, qui est mon auteur de chevet en ce moment, Lorenzo Valla, Léon Battista Alberti, ou encore avec d'autres accents, chez Contarini à propos de Venise, ou qu'on voit encore dans la fresque du bon gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti, hein, qui a été étudié par Quentin Skinner et par Chiara Frugoni, puis plus récemment dans un livre plus grand public par Patrick Broucheron, mais en fait, qui reprend ses travaux de médiéviste et d'historien d'art et en fait une synthèse très brillante. Hein, voilà. Donc pour Constant, cette conception de la liberté qui suppose une disponibilité des citoyens pour s'occuper des affaires de la cité. D'où le fait qu'à Rome ou à Athènes, il y avait des esclaves. Il faut être disponible pour s'occuper des affaires de la cité. Et donc, cette conception de la liberté n'est plus possible dans le monde moderne où la division sociale du travail et l'essor des activités marchandes accaparent chacun. Donc, Constant dit à partir du 18e, l'essor du commerce colonial, occupe chacun et il n'est plus possible que les citoyens s'occupent directement des affaires de la cité, notamment aussi parce que les territoires sont plus grands. Et donc c'est une autre architecture de la liberté qui est nécessaire, qui repose sur le régime représentatif et sur la délégation. Sur les citoyens, libres désignent sans obstacle les délégués qui auront en charge pour eux la gestion des affaires publiques. Et ils peuvent ainsi poursuivre librement leurs affaires, leurs intérêts personnels, contribuer à l'enrichissement de la société. Il n'y a plus contradiction entre enrichissement personnel, luxe, commerce et citoyenneté, au contraire. Et ils peuvent prendre part indirectement à la Respublica via les gens qu'ils ont élus, via le système représentatif. L'opposition esquissée par Constant a fait l'objet de réinterprétations. On la retrouve partout, chez de très nombreux philosophes ou politistes aujourd'hui, plus ou moins critiques, plus ou moins fondées. On la retrouve donc un peu partout, qui insiste aussi sur la césure du régime représentatif. Et ils ont insisté, beaucoup d'auteurs, sur cette transformation de la conception même de la liberté qui se jouait entre la fin 17e et le début 18e siècle. Hein, donc avant la naissance du régime représentatif moderne en France. Et ça se joue autour de quoi? Ça se joue, selon eux, autour de Locke et autour du droit naturel, du jus naturalis. Ce qui change alors avec Locke et avec ses successeurs, c'est bien la manière de penser la liberté. La liberté n'est plus une vertu civique et une garantie collective de la cité, la possibilité de servir librement un État libre en tant que citoyen, mais la liberté devient un droit attaché à l'individu et qui se définit par l'absence d'interférence. La liberté, c'est l'action sans entrave. Mes actions ne sont pas entravées par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'interférence entre mes choix et ce que je veux faire. Est libre le citoyen dont les actions ne sont pas entravées ou empêchées par l'État ou le pouvoir du prince. Et on reconnaît bien là, évidemment, ce qui sera
la conception libérale, au sens d'aujourd'hui, de la liberté. Ce n'est pas la conception néo-romaine que j'ai évoquée de la liberté. Il y a une conception libérale, du libéralisme de la liberté de l'individu qui poursuit son intérêt spécifique, propre, sans être entravé. Et qu'on va retrouver chez des penseurs comme Say, ou qu'on va retrouver chez Adam Smith, mais sur Say, et puis beaucoup de penseurs du 19e. Donc il y a beaucoup de vrai dans ce grand partage dessiné par Benjamin Constant. Il a été repris dans un livre célèbre d'Isaiah Berlin, dans un texte de 1958, qui oppose les deux libertés, la liberté négative, non-interférence, et la liberté positive, participation du citoyen actif à la démocratie directe. Et cette opposition souligne parfaitement la révolution du droit naturel et sa place dans les théories du contrat et dans l'idée de l'origine humaine de la société politique. Et pour quelqu'un comme le grand juriste républicain antifasciste italien Norberto Bobbio, cette révolution du droit naturel, c'était au fond la matrice qui allait donner les droits de l'homme par la suite, les libertés individuelles, etc. Donc il y a vraiment un tournant 17e autour du droit naturel. Il y a un avant, un après pour Quentin Skinner, les théories de la liberté avant le libéralisme, pour Bobbio, pour beaucoup de monde. Hein, voilà, cette opposition est reprise. Simplement, ce clivage ne dit pas tout. Et il risque aujourd'hui de conduire à des simplifications excessives et à une opposition trop tranchée entre républicains de l'Ancien Régime, républicanisme de la vertu et du dévouement qui aboutirait à Robespierre et à la terreur, c'est ça. Hein, c'est ça qu'on nous dit au fond. Et de l'autre côté, républicanisme moderne, jus naturaliste, qui protège l'individu par-dessus tout et qui fait de l'individu de l'individu. Et qui se réaliserait au fond dans le libéralisme, notamment chez Madame de Staël et Benjamin Constant. Dans les faits, ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, on a beaucoup d'auteurs qui vont mélanger les deux. Par exemple, des penseurs néo-républicains, a priori Milton, Sidney, Harrington, les penseurs républicains anglais, mélangent une liberté néo-romaine et une théorie du droit naturel. Mélangent chez Sidney, chez Harrington, c'est vraiment très net. Ils vont combiner ces deux conceptions de la liberté et pas les dresser l'une contre l'autre. Même chez Robespierre, où on trouve par exemple une position ultra-libérale chez Robespierre en matière de théorie économique et de liberté de négoce, liberté du commerce. L'État ne doit pas intervenir dans le commerce, ne doit pas intervenir dans la fixation des prix, ne doit pas intervenir dans la circulation des marchandises. Donc, mélange les deux. Ou même chose chez les auteurs français. Des auteurs français classiques du 19e que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous les lisez encore. Moi, je ne les lisais pas, on m'a conseillé de les relire. Donc, Vachereau, ça vous dit quelque chose, Jules Barny, Étienne Vachereau, les grands théoriciens français de la Troisième République, eh bien, donnent systématiquement comme exemple, on les retrouve dans tous les manuels scolaires du 19e siècle, on va donner comme exemple de vertu républicaine, d'intérêt pour l'intérêt général, de lutte contre l'égoïsme et l'enrichissement excessif. On donne toujours les mêmes exemples, ce sont toujours des exemples romains. Decius Mus, Scaevola, Marcus Curtius qui se jette dans une fosse ardente avec son cheval. Des mêmes exemples, on donne des exemples de suicides dévoués à des enfants des écoles. On organise des concours de dissertation sur ça, avec des dessins. Marcus Curtius avec son cheval se jette là. Ce qui disparaît autour de 1900, ces références disparaissent autour de 1900, vraisemblablement pour plein de raisons, mais aussi avec la naissance des partis politiques modernes. Toujours les mêmes exemples de dévouement. La vertu, c'est le dévouement, c'est... Voilà. Donc, premier défaut de ce partage, en fait, il y a des circulations. Il n'est pas si net que ça. Puis, deuxième défaut, ce partage méconnaît liberté des anciens, liberté des modernes, républicanisme d'ancien régime, républicanisme 19e, 20e, méconnaît la question devenue centrale au 19e siècle. Et pour nous, aujourd'hui, la question de l'égalité. Où est la discussion de l'égalité dans ce partage liberté des anciens, liberté des modernes? Où est la question qui nous préoccupe tous aujourd'hui? C'est la question dont la primaire socialiste a supposé qu'elle parle de quelque chose. Quel est le degré d'inégalité tolérable pour qu'une société reste une société démocratique? Et à partir de quel degré d'inégalité, la liberté théoriquement concédée aux citoyens n'est plus qu'une liberté théorique, que plus personne n'exerce? Voilà. À partir de quand que faut-il, voilà, la liberté théorique que le droit naturel et les droits de l'homme reconnaissent à l'individu
est-elle concrètement possible si les individus sont totalement dominés et totalement démunis? Voilà. Ont-ils le temps de s'occuper de ces questions de vie politique et de les comprendre et de s'y engager? La Révolution, par exemple, refuse le droit de vote aux domestiques en pensant que les domestiques vivent sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Ils ne s'appartiennent pas. Donc, ils ne peuvent pas participer à la chose. Donc, la question reste. Voilà. Une autre définition de la liberté paraît du coup nécessaire, capable de prendre en compte la réalité des rapports sociaux et de l'inégalité des conditions. Et c'est le grand travail des néo-républicains, à ne pas confondre avec le Parti républicain américain, les néo-républicains américains, des gens comme Philippe Petit, dont vous connaissez peut-être les travaux. C'est le grand philosophe de Princeton qui a écrit les travaux philosophiques qui font autorité aujourd'hui sur le concept de républicanisme. Il propose une troisième théorie de la liberté qui n'est pas la liberté comme dévouement, comme vertu, pas la liberté comme non-interférence, la liberté du libéralisme, mais la liberté comme non-domination. Comme non-domination, et donc interroge, par exemple, les rapports de domination de genre, les rapports de domination de race, ou les rapports de domination dans le travail. Est-on véritablement libre lorsqu'on est tenu par des contrats de travail léonins, par exemple? Voilà, ça c'était le premier point que je veux dire sur l'histoire des idées. L'autre, c'est rapidement, c'était la chose, en revenant à Jaurès très rapidement, c'est la question de la conflictualité. Quand il dit la République n'est pas une doctrine, n'est pas une philosophie, c'est une méthode. Alors je voudrais revenir sur République et conflit, conflictualité. Le terme est très connu, on le trouve. Voilà. Donc chez Bruni, chez Latini, chez Alberti, vous avez l'éloge de la cité unie, le consensus, le bien commun. Ça, on le voit très bien dans la fresque Lorenzetti, le bon gouvernement, les effets du bon gouvernement. Tout ce qui est faction, tout ce qui est partage, clivage, conflit, intérêt privé, amitié particulière, favoritisme est mauvais. D'où le tirage au sort qui évite les cabales, qui évite les réseaux familiaux dans les villes d'ancien régime. Il est impossible de siéger, on ne pourrait pas être les époux Balkany. On ne peut pas avoir un oncle et son neveu dans un même conseil de ville. C'est prévu. Mais il y a une rupture, et il y a une rupture avec Machiavel. C'est la rupture radicale. Machiavel lit les mêmes textes que Bruni. Il lit la première décade de Tite-Live. Et qu'est-ce qu'il comprend dedans? Lui, il comprend le contraire. Il comprend que la res publica, la société politique est forcément divisée. Les hommes qui vivent en société ont des intérêts divergents. On ne peut pas faire semblant qu'il n'en est pas. On ne peut pas oublier leurs positions différentes, leurs revenus différents, leurs souhaits différents, leurs religions différentes. Ils sont en conflit. Et c'est le rôle de la République de trouver comment résoudre ces conflits sans mettre en péril la res publica et faire tomber la cité dans une stasis, dans la guerre civile. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est le rôle, et là c'est là où Machiavel est vraiment un tournant dans la théorie politique, c'est le rôle des mécanismes institutionnels. Machiavel est le premier à vraiment décrire en détail des mécanismes constitutionnels ou institutionnels, c'est-à-dire des rouages qui permettent d'absorber les conflits individuels qui sont inévitables. Il ne parie pas sur la vertu du citoyen qui se détacherait des intérêts de l'homme. L'homme est ce qu'il est, mais en tant que citoyen, il oublie ses intérêts personnels. Non, ils sont là. Comment faire? Eh bien, il y a des institutions. Et pour Machiavel, les institutions, c'est les tribuns du peuple à Rome. Donc c'est Machiavel qui est le premier porte cette attention. Et donc Machiavel, en cela, est bien un penseur républicain. Le Machiavel des discours sur la première décade de Tite-Live et pas le Machiavel du prince. Voilà, le Machiavel qui a fait l'expérience du retour des Médicis et de la torture. Ça l'a un peu calmé sur l'éloge du prince. Donc la capacité de la res publica à surmonter les épreuves. Alors juste un mot de conclusion très rapide pour dire que c'est un survol extrêmement schématique que j'ai fait. J'ai voulu courir et tenir ensemble debout à la fois très contemporain et l'histoire de la philosophie républicaine. Mais dire voilà que deux points ou trois points qui me semblent très importants de conclusion, c'est que de rappeler que le républicanisme ou la République, ce n'est pas une idéologie sépia, noir et blanc, ringarde, ce n'est pas le retour au petit Percombe. Quand j'entends des émissions à la radio dire « Ah oui, Emmanuel Valls a été très républicain, alors on voit le froncement de sourcils », ce n'est pas ça être républicain. Hein. Voilà, le républicain, ce n'est pas les pères fouettards et les instituteurs qui vous tapaient sur les doigts avec des règles carrées. Enfin, c'est vraiment imbécile.
Et puis la République, c'est triste, mais ce n'est pas un trésor français. Voilà, on n'est pas, c'est pas comme le camembert. Il y a d'autres républicains en dehors de la France. Et on peut considérer que nous ne sommes pas les seuls à faire l'expérience de la contestation de l'universalisme citoyen par le communautarisme, ou qu'on a fait l'expérience de la critique de la laïcité au nom de la reconnaissance des droits de la conscience, qu'on n'est pas les seuls à faire l'expérience de la critique de la décision majoritaire aujourd'hui, par exemple Notre-Dame-des-Landes, voilà, point. Ça change complètement le rapport à qu'est-ce que c'est qu'une décision juste, qu'une décision majoritaire, qu'est-ce que c'est qu'une décision, par exemple, est-ce que le Brexit est une décision majoritaire, mais est-ce qu'elle est juste? Est-ce que le Brexit, quand vous regardez la ventilation des votes par classe d'âge, c'est les vieux qui ont voté pour prendre des décisions qui ne les concerneront pas parce qu'ils seront morts. Ils ont voté pour mettre dans les ennuis leurs enfants. C'est fort, quoi. C'est intéressant. Les taux sont plus... Au-delà de 65 ans, le Brexit l'emporte très, très largement. Puis plus on descend des classes d'âge, moins le Brexit l'emportait. Et qu'on est en dessous de 25 ans, c'est... Remain, qui l'emporte être. Donc, est-ce que c'est juste? Est-ce que la décision majoritaire est forcément totalement juste? Est-ce qu'un référendum est parfaitement juste? Demain, on organise un référendum sur le retour de la peine de mort en France pour les assassins d'enfants et pour les terroristes. Il y aura une majorité pour ça. Est-ce que c'est forcément juste? Et est-ce que le peuple a toujours raison? Et c'est quoi le peuple français? Voilà, donc c'est des questions. Donc, première, ça, c'est pas un trésor français, c'est pas une nostalgie, ce sont des enjeux d'aujourd'hui. Le consentement à l'impôt, la question des limites, des possibilités d'exercice d'une liberté purement formelle, etc. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que là, le républicanisme, de ce point de vue-là, constitue bien une alternative politique crédible dans ce contexte qui est le nôtre, qui est d'évanouissement, de disparition du marxisme comme horizon politique souhaitable, du communisme. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative aux dérives pathologiques de certaines formes du néolibéralisme? L'entourage de Donald Trump, les membres qu'il a réunis autour de lui, sont aussi riches que 150 millions d'Américains. Donc ça laisse... peut-être ça dit rien. Vous trouvez ça peut-être très bien. Puisqu'ils ont réussi en affaires, ils réussiront en politique. On verra ce que ça donne. Et puis, à certaines formes de populisme, on voit bien que certaines dérives du néolibéralisme pathologique, pas tout, hein, bien entendu, nourrissent des formes de populisme, même si le mot de populisme doit être pris avec des pincettes et qu'on ne peut pas mettre dans le même sac Beppe Grillo et la Ligue du Nord, Mélenchon et le Front National, ce n'est pas la même chose, on est bien d'accord. Mais il y a une manière, de temps en temps, qu'on entend en ce moment, d'invoquer le peuple, un peuple qui aurait toujours raison, un peuple foncièrement uni, uniforme, qui n'existe en politique, qui n'existe qu'en politique, et qui n'existe qu'à un moment, c'est au moment des échéances électorales. Le peuple a raison, en Suisse avec l'UDC. Le peuple a toujours raison. Et on organise ça, il a raison même contre la Déclaration universelle des droits de l'homme et même contre la Cour européenne de justice, etc. Le problème, c'est que derrière, c'est une négation de ce qu'on a vu chez Machiavel et de toute une tradition républicaine, c'est la négation du rôle des institutions dans la gestion de la conflictualité. Il n'y a plus qu'un leader et un peuple comme de la limaille attiré par cet aimant que constitue le chef, le général vainqueur sur le champ de bataille électoral, pour citer Max Weber dans sa conférence de 1919, et on refuse les institutions. On refuse les syndicats, on refuse la presse, on refuse la magistrature, on refuse les corps intermédiaires. Alors la question c'est, y a-t-il encore une liberté lorsque les outils concrets forgés par l'histoire de contestation d'un pouvoir qui deviendrait abusif ont été éliminés ou sont congédiés comme autant de corporatisme pas intéressant, les droits de l'homiste et les magistrats. Voilà. Et donc la question républicaine, eh bien, la question qui se pose à nous, elle est bien d'actualité et nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ça. Et c'est ça que je souhaitais vous dire ce soir. Merci. La parole est à vous. Est-ce que vous souhaitez réagir, poser des questions? Vous avez le droit de poser des questions lentement. Merci. C'est pas vraiment une question, mais du coup, j'étais assez curieuse de vous entendre développer un petit peu plus sur la démocratie participative et notamment le tirage au sort dont vous avez commencé à nous parler.
Alors, moi, je trouve que c'est une question très importante. C'est une question sur laquelle je souhaitais écrire un livre. Parce qu'au début, j'ai été très enthousiasmé par ça, comme tout le monde, en relisant Aristote, ce que je fais tous les soirs, et en relisant, bien sûr, Montesquieu, qui dit « Le vote ressort de l'aristocratie et le tirage au sort de la démocratie. » Pourquoi ? Parce que le vote dégage, c'est une sélection. Le vote produit une élite, constitue une élite qui a été sélectionnée, qui a été mise à part, qui a été retranchée, choisie selon des critères de compétences, de richesse, de réseau, de relations, de notoriété. Le problème, c'est que c'est une lecture très, très partielle de Montesquieu, qui déjà n'est pas un grand partisan du régime représentatif et du régime républicain. C'est pas un républicain, c'est pas un partisan de l'État populaire. Mais surtout, c'est opposer des histoires qui sont profondément imbriquées. Et dans les sociétés d'Ancien Régime, à Athènes, à Rome, ou dans les sociétés que je connais mieux, les villes italiennes ou les villes françaises d'Ancien Régime, ou les villes allemandes du XVIe, XVIIe, toutes les procédures électives mêlent du tirage au sort pour lutter contre les factions, contre les cabales, contre la corruption. Et les deux sont associés. C'est-à-dire, il y a d'une part l'idée que les gens doivent pouvoir choisir et donner leur avis, et en même temps qu'il faut éviter qu'un tout petit noyau puisse dicter son choix. Alors, ça peut être fait par différentes recettes. Dans le conclave, c'est la majorité qualifiée des deux tiers, c'est les bulletins secrets, etc. Dans d'autres assemblées, eh bien, c'est un mélange de tirage au sort. On élit, par exemple, il y a des objets qui sont faits pour ça. On va élire trop de conseillers ou trop de membres de l'assemblée. Et ensuite, eh bien, on le tire au sort, ceux qui vont être conservés ou pas. On soumet, après l'édit de Crémieux de 1564, on soumet au roi de France des listes en double partie et choisit les consuls qu'il veut pour les villes. Donc on mélange les deux. Ça, c'est un argument historique. On peut dire, bon, c'est pas vrai. Mais après, ça me pose un problème. Voilà. Je peux répondre longuement. Il y a le très joli livre de Yves Saint-Omer. Le livre de David Van Reybrouck est faux. Il y a beaucoup d'erreurs historiques et il est dans une espèce de sacralisation du peuple qui a toujours raison et les élites sont toujours mauvaises. Et dans les élites, il y a bien sûr, qu'est-ce qui est venu parasiter cet merveilleux système de la démocratie directe ? C'est l'opinion publique, la constitution de l'opinion publique. Et donc ce qu'il nous propose comme modèle quand même, c'est le pronunciamento, c'est le référendum, c'est Trump. Le peuple m'a choisi, la presse a tort, voilà, le peuple a raison puisqu'il m'a choisi. Il m'a choisi sur des mensonges, peu importe, il m'a choisi. Donc ça me fait un petit peu peur. Et il faut rappeler, parce que David Van Reybrouck dit les élections ont été inventées pour empêcher, c'est repris par Étienne Chouard, par tous ses blogs sur le blogueur noniste qui est devenu un des apôtres du tirage au sort, c'est devenu une ancienne anti-élite. Les élites autonomisées, éloignées de nous, qui poursuivent que leur fin, etc., leur propre fin. On oublie les origines historiques du retour de la décision majoritaire et du vote en Occident autour du XIIe siècle, c'est le principe de droit privé quod omnes. Quod omnes tangit. Ce qui concerne tout le monde doit être décidé par tout le monde. Et c'est quand même un principe qui est de chercher le consentement de ceux sur qui le pouvoir s'exerce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir légitime sans son consentement, à un moment donné ou à un autre, de ceux sur qui ce pouvoir s'exerce, et notamment en matière fiscale. Il n'y a pas d'impôt sans vote, sans états généraux, etc. Alors on peut dire que tout ça c'est du blabla. Et ça aurait été bien mieux si les rois de France, et bien mieux s'il n'y avait pas eu d'État généraux, s'il n'y avait pas eu de Parlement en Angleterre. Mais c'est une reconstruction de l'histoire qui n'est pas très agréable. Donc il y a un point historique. Il y a un deuxième point qui est gênant. C'est Reybrouck cite, comme tout le monde, l'exemple de l'Islande, la nouvelle constitution, Irlande, Islande, Ontario, tous ces endroits où il y a eu, sur le modèle Fishkin, des sondages citoyens et puis des assemblées citoyennes tirées au sort pour refaire la constitution. 60 citoyens armés par tout un bataillon d'experts qui les conseillaient, qui les guidaient, etc. On refait une constitution, tout le monde a dit que c'était un merveilleux travail, la constitution a été soumise au vote des citoyens et elle a été refusée. Et là, il y a une page sublime de David Van Reybrouck disant, bien sûr, parce que dans le cas de l'Assemblée citoyenne, ils ont travaillé avec leur cerveau, et dans le cas du vote par référendum, les gens votent avec leur tripe et jamais avec leur tête. Donc il y a un peuple gentil, puis il y a un peuple méchant, selon ce qu'ils votent. Voilà, ils votent avec leur cerveau, ils votent avec leur tripe, c'est débile comme argument, il faut bien dire.
Donc, ça pose un vrai problème. Il y a deux problèmes derrière. Il y a un, est-ce que le tirage au sort ne va pas produire le contraire de ce qu'il prétend faire, c'est-à-dire il va produire le triomphe des non-élus. Il va produire le triomphe des experts, des gens qui conseillent, qui guident, etc., qui sont les vraies élites mondiales autonomisées sans aucun contrôle, les vrais méchants de l'histoire de la démocratie. Aujourd'hui, ce n'est pas les députés européens, on les a élus, on sait à peu près ce qu'ils font, on sait combien de fois ils siègent à l'Assemblée, on peut retrouver leur vote, on peut ça. Mais vous savez qui siège au GIEC? Vous savez qui siège à l'Organisation mondiale du commerce? Vous savez qui c'est, le FMI? Vous avez choisi les membres du FMI? On les a choisis, nous? On les a votés? Ils nous rendent des comptes et des bilans? Rien. Il y a une multiplication des instances de décision non élues et without account. Ils ne nous rendent absolument pas de compte. Extension des chaînes de décision sans élection, extension des chaînes sans compte rendu. C'est pas sûr que le tirage au sort permette de détricoter ça. J'en suis absolument pas certain. Deuxième problème autour du tirage au sort, pour moi, c'est qu'il confond représentation politique et représentation sociologique en disant on sera mieux représenté dans des assemblées où les gens nous ressemblent, où il y a plus de jeunes, il y a plus de gens issus de l'immigration, il y a plus de femmes, et que ça sera le contraire de ce que disait Louis Schweitzer, hein, l'ancien président de la Halle, disait en France, les sommets sont blancs et chauves. Voilà. Tout le monde a donc des hommes d'un certain âge, blancs et déjà avec la calvitie. Mais si on a du tirage au sort, d'accord, on aura plus de jeunes femmes, plus de personnes issues de l'immigration, peut-être un peu de chance, un ou deux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait? Ça serait bien qu'il y ait des gens d'autres religions, un bouddhiste, un handicapé, etc. Très bien. Mais en faisant ça, on congédie complètement l'idée qu'il représente aussi des options politique et idéologique, et que nous sommes d'accord sur les fins de la société. Donc ils me représentent bien, puisqu'ils seront là en me représentant sociologiquement, mais pas politiquement. Et donc on peut imaginer un conseil de ville tiré au sort, qui déciderait que vraiment le parc de la Tête d'Or, c'est un truc pour Bobo du 6e, et que ça serait bien si on en faisait un parking, parce qu'à Lyon, c'est difficile de se garer. Et on serait beaucoup plus facilement à l'ENSIB, voilà. Et que les trucs d'environnement, est-ce que je serais bien représenté par ça? Non. Donc, congédier l'idéologie comme facteur, ou alors il faudrait demander aux gens leurs préférences idéologiques, et donc on retombe dans les sondages et on retombe dans la cuisine. Donc, si c'est pour le faire sans prise en compte des préférences partisanes, on retombe dans les défauts du néolibéralisme et de la gouvernance. Ce qu'il faut, c'est bien gouverner, mais on est d'accord sur ce qu'il y a à faire. Enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix. Les marchés ont décidé, bien gouverner, c'est plus que de la technique, que de la gouvernementalité. La gouvernance, c'est ça, c'est pas de lutte sur les fins. Or, précisément, la politique, c'est l'affrontement sur les fins. Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes fins politiques, vous et moi, ou nous et qui on pourrait dire BP Griot. Est-ce qu'on a envie d'être gouverné par BP Griot? Je dis un nom comme ça, ou par Blorer en Suisse, voilà, un vrai méchant. Pas sûr. Donc ça, c'est un problème. Deuxième problème, lorsqu'on adopte le régime représentatif en France au XVIIIe siècle, il y a une discussion. C'est le livre de Bernard Manin qui est sublime, hein, La naissance du régime représentatif, c'est vraiment un très joli livre. Il y a une discussion pour savoir si les députés devraient être tirés au sort. On va discuter de ça dans la Révolution française, ou élus. Et ce qui entraîne le choix de l'élection, c'est que l'élection est une forme de consentement. Si je participe, il y a vote, et donc implicitement, j'accepte d'obéir aux lois qui seront prises par ceux qui seront désignés par le vote. Parce que j'ai fait acte de citoyen, je suis là, je suis consulté. Dans le tirage au sort, je suis impliqué en rien, je ne suis pas consulté. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, dans l'élection, il y a une promesse d'obéissance. Deux, l'idée de la réversibilité des rapports de force. Mes idées perdent en ce moment, mais rien ne me dit que si nous travaillons bien, si nous réfléchissons, si nous mobilisons notre camp, le rapport de force changera. Dans le tirage au sort, rien ne vous garantit que le rapport de force changera et qu'après, quelqu'un qui voulait faire des parkings sur le parc de la Tête d'Or décidera de transformer l'ENSIB en hôtel Formule 1. Ça, rien ne nous le dit. Et ce que je ne comprends pas,
dans les théories du tirage au sort, dans les partisans du tirage au sort, c'est le statut de l'opposition. C'est-à-dire, j'attends quoi? Je fais quoi? Comment je lutte contre une assemblée dont on me dit, attendez, c'est l'assemblée citoyenne, hein, c'est vous? Je suis non-citoyen si je dis, eh ben écoutez, cet avocat d'affaires qui me représente en tant qu'homme, 50 ans, diplôme supérieur, non, je ne me reconnais pas. C'est ça qui me perturbe un petit peu et qui me paraît poser de vrais problèmes. Et puis plein de choses. C'est-à-dire, je ne suis pas certain. C'est très compliqué à faire, mais pourquoi pas? Mais il y a des outils aussi très simples de renouvellement de la classe politique, c'est l'interdiction des mandats consécutifs. On pourrait imaginer qu'une grande ville de France, allez, Lyon, pourrait se passer d'avoir le même maire pendant 21 ans. J'ai rien dit. Ou Marseille, disons Marseille, tiens. Est-ce que 3 mandats, c'est pas trop? Est-ce que 4, c'est pas trop? On a des grandes villes, alors c'est pas le cas à Lyon aujourd'hui, c'est pas là, mais il y a des grandes villes qui ont souffert de ça. Lyon dans les années 50, ou Bordeaux à l'époque de Jacques Chaban-Delmas, l'aménagement de la ville est resté, la ville ne bougeait pas. Le non-cumul des mandats, le non-renouvellement des mandats, pourraient être des outils de modernisation tout aussi performants. Les sondages citoyens sont très compliqués à faire fonctionner, mais pourraient être des outils. Voilà, le tirage au sort pose un certain nombre de problèmes pour moi. Mais, et en tout cas, la bonne échelle, me semble-t-il, la bonne échelle est certainement pas l'échelle... l'échelle nationale, plutôt des échelles locales, des conseils de ville ou des conseils de ville redoublés. Là, oui, ça a du sens parce qu'on est dans la démocratie participative, parce qu'on est dans les compétences des gens qui connaissent leur ville, qui connaissent à l'échelle nationale. Est-ce que vraiment, si on remplace le Sénat par est-ce que ce sera mieux? Le Sénat aussi représente les territoires, aussi représente des préoccupations d'aménagement du territoire. Enfin, c'est pas plus absurde qu'autre chose. Je pense que c'est une ligne qu'on peut tenir. Voilà. Je voulais faire un livre avec Yves Saint-Omer, puis j'ai craqué parce que j'avais pas le temps. On voulait faire un livre pour 2017, où lui faisait une quarantaine de pages sur l'histoire et la normativité du tirage au sort comme renouvellement de la démocratie, très proche de Nuit Debout, au fond, Nuit Debout Podemos, c'est son appartenance politique. Et moi, je voulais prendre, mais j'avais peur de me trouver en mauvaise compagnie, donc je voulais écrire ça avec Julien Coupa, qui m'a dit non, Julien Coupa, c'est le groupe de Tarnac. Voilà. Et qui m'a dit non, qui était occupé. Je voulais écrire, dire non, la démocratie, c'est de demander aux gens leur avis. Et de leur demander à tous. On n'a jamais fait mieux que ça. Voilà, c'est ma conviction. Mais... peut-être Julien Coupa va être plus libre maintenant, je pense. En vous écoutant parler de la demande de rendre des comptes, la comptabilité, là, oui. Je me demandais s'il n'y a pas aujourd'hui une forme d'acharnement, une insistance terrible sur cette idée de rendre des comptes, notamment par exemple à des fonctionnaires, à mesure qu'on ne demande pas ou on ne voit pas qui d'autre à qui on pourrait rendre des comptes, en particulier ces instances non élues qui pourtant sont décisionnaires dans de multiples domaines. Est-ce que ce n'est pas finalement un inversement proportionnel? Absolument, c'est les vases communicants, c'est-à-dire on s'acharne sur des institutions dont on nous explique qu'elles ne fonctionnent plus de manière démocratique, qu'elles produisent du désenchantement démocratique. Alors on va nous donner le Sénat, on va nous donner l'Europe, le Parlement européen, qui sont quand même des instances représentatives élues à un moment donné, alors que personne ne se soucie de la multiplication des instances non élues, où les chaînes d'accountability sont indéfiniment étirées, indéfiniment, et où on peut même estimer que dans certains cas, ils n'ont plus de compte à rendre à personne. On l'a vu dans l'épisode récent de la Haute Cour de justice. Enfin, plus personne ne peut demander des comptes au président de la Banque mondiale ou du FMI, etc. C'est tellement loin. Donc oui, vous avez absolument raison. Et on voit qu'on peine à faire comprendre
le sens des mesures adoptées, alors qu'elles existent, les gens sont malgré tout déçus. C'est-à-dire que dans les dernières années, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé, la possibilité de la saisine du Conseil constitutionnel ou l'autorité sur la transparence, la déclaration des revenus des députés, des élus change quand même quelque chose. La limitation des mandats à partir du mois de juin, on va voir des effets réels, enfin, sauf s'ils sont appelés. Mais il y a une impatience démocratique qu'on peut aussi prendre comme un bon signe. Mais voilà, on peut considérer que c'est bon signe, une attente de transparence absolue, mais qui produit aussi le contraire de ce que ça devrait produire, c'est-à-dire des émissions de télé ou des émissions des types d'articles dans les journaux où on parle des gens, de leur qui est avec qui, vit en ménage avec qui, enfin la vie privée des hommes politiques est une cage de verre. Enfin, on sait absolument tout, leurs enfants, est-ce que ça c'est un gain démocratique? J'ai un petit doute. Donc il y a un joli texte qui devrait sortir la semaine prochaine de Frédéric Worms sur les maladies chroniques de la démocratie. Et une des maladies, c'est le cynisme, qui est assez bien vu. Voilà. La critique retournée contre elle-même, qu'on voit aboutir dans les théories du complot. C'est les armes de la critique, les armes de la démocratie deviennent le contraire. Oui, mais je suis d'accord. Oui, dans le Royaume-Uni, si on perd les grosses élections, on dégage, il n'y a pas de question. C'est une question de réalisme et d'honneur, si ça a encore un sens. Est-ce que vous voyez d'autres pays où ça se passerait comme ça? Est-ce que ça aurait à voir avec la monarchie? Alors, dans le Royaume-Uni, il y a une tradition parlementaire extrêmement forte qui fonctionne comme ça. On perd les élections et on dégage. Moi, je constate que la Renzi a perdu les élections, a dégagé aussi. Nous, c'est un peu... Des choix qui ont été faits, qui sont des choix funestes. L'inversion du calendrier, par exemple, du calendrier électoral, a nui à la vie parlementaire et a fait du Parlement des assemblées de godillots, plus ou moins, qui suivent l'exécutif, et on peut avoir ce qu'on veut, les frondeurs, etc. Ben, il passe avec le 49-3, enfin, ces débats qui sont quand même très, très, très français et assez décevants. Vous avez raison. Mais par exemple, sur le référendum, de nous proposer des référendums citoyens ou des 49-3 citoyens comme outil de déblocage de la situation. Moi, je vis actuellement dans un pays qui utilise ça. Je vis en Suisse, ce qui s'entend par le fait que je parle très lentement, voilà. Avec un fort accent de Neuchâtel. On ne peut pas dire que l'usage des votations ait contribué à une participation citoyenne plus forte. Les taux d'abstention sont considérables. On a des situations absolument, c'est pas tout à fait les mêmes situations en France que la France, mais qui sont des situations tout à fait absurdes. L'UDC a pris position, par exemple, en février 2014 pour cette votation quand même scélérate sur l'immigration de masse. L'immigration de masse, c'est moi, hein. C'était pas contre les Serbo-Croates, etc., ou les Moldaves, c'était les Italiens au Tessin, les Allemands en Suisse alémanique et les Français en Suisse romande, on était trop nombreux, on faisait flamber les prix de l'immobilier, bien sûr, et puis on dégrade les transports en public. À chaque fois que je prends le train, je lacère les sièges en écrivant liberté, égalité, fraternité. Ou François Hollande, je grave. Et cette décision est contraire au droit européen, a exclu la Suisse de tous les programmes Erasmus, dont elle était bénéficiaire nette, elle tirait plusieurs vues. Elle a été conduite par un parti, un seul, l'UDC, contre les avis de tous les autres partis, contre les avis des syndicats, contre les avis du patronat, qui a besoin de la main-d'œuvre frontalière, qui sert de marge, de variable d'ajustement. Eh bien, ce parti du DC qui organise cette votation est dans le gouvernement fédéral. C'est-à-dire, il peut organiser un vote contre le gouvernement en étant dans le gouvernement fédéral. Et on me dit ça, c'est la formule magique de la Suisse. C'est-à-dire, même ceux qui sont contre nous siègent avec nous et gouvernent avec nous. Et simplement, c'est des jeux de chaises musicales extrêmement fins. C'est du go, on déplace une pièce.
L'UDC gagne les élections, alors il aura un ministère régalien, enfin un dicastère plus régalien. Quand on perd les élections, le PS en ce moment, ils ont plutôt les ministères que nous jugeons importants, l'intérieur, les affaires étrangères en Suisse, ça c'est moins important que le commerce, le transport, l'économie. Et donc voilà, l'armée. On peut avoir un parti qui appelle à voter contre son propre gouvernement et qui siège au gouvernement. Donc je pense pas qu'il y ait de modèle impeccable qui fonctionne parfaitement. C'est-à-dire qu'après, c'est le moulin à prière. On nous dit on n'a qu'à faire comme, il n'y a qu'à. Ou alors, il y a ceux qui nous disent on se passe très bien le gouvernement. Regardez la Belgique, regardez l'Espagne pendant des mois. Ça marche très bien sans. On voit qu'ils ne sont pas aux affaires concrètement et que c'est justement des pays où il y a des problèmes d'investissement de longue durée. Bon. Voilà, on est obligé de voter. Ça, en Belgique, oui. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai travail de réinvention républicain à faire, c'est-à-dire de réfléchir sur des formes de participation citoyenne locale, à l'échelon local, dans les conseils municipaux, dans les conseils généraux, ou dans les conseils régionaux, où se décident des choses très importantes. Il y a un travail de limitation du nombre de mandats, et notamment du nombre de mandats successifs, notamment dans les lieux où on exerce un pouvoir qui est exécutif, dans les mairies, par exemple, paraît assez important. Il y a la question du vote obligatoire ou pas, il y a la question de revoir la question du scrutin uninominal majoritaire à deux tours, qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire, moi je ne veux pas, parce que vous allez m'attribuer des idées politiques qui ne sont pas forcément les miennes, mais on a beaucoup de mal à susciter un enthousiasme citoyen quand on dit que le premier parti de France dans les élections a deux députés, et que les écologistes qui plafonnent à 2% des intentions de vote avaient un groupe quand même un peu particulier. C'est-à-dire d'expliquer. Donc le problème là, la vraie clé d'intervention, c'est pas d'intervenir, par exemple, en dénonçant les partis, en dénonçant le système représentatif. La vraie clé, c'est la question des investitures. Le rôle des partis est sanctuarisé par le texte de la Constitution. Et on peut revenir sur la question des investitures, la question de la distribution des fonds publics aux candidats, etc. Si je suis électeur de droite à Levallois, mais honnête, je suis de droite et honnête, et que je suis obligé de voter pour les Balkany, je dois trouver ça pas drôle. Il y a peut-être un moment aussi, on peut être de droite et honnête, ou de gauche, et trouver que voter Jacques Mélix, c'était un peu dur, quoi, à un moment. Donc, il y a bien la question des investitures, du contrôle des investitures. Peut-être qu'on pourrait dire que des gens qui ont été condamnés quand même pour de bon... par la justice, il y en a, hein, Longuet, pourrait quand même être exclu par les partis, des investitures, mais c'est aux partis qu'il appartient de faire ce travail, et pas tellement aux citoyens, parce que paradoxalement, les citoyens peuvent demander des hommes politiques corrompus, voilà, sont assez demandeurs de ça. Je vous donne pas le nom, mais c'est quelqu'un que je fréquente beaucoup, que j'ai beaucoup fréquenté, qui était ministre, blablabla, me racontait son premier mandat de député. Il arrive, il siège, il est dans sa permanence, il vient d'être élu. Arrive une dame qui lui a demandé, dit « Je voudrais un poste d'agrégé pour ma fille. » Explique que non, pour qu'elle soit prof dans le lycée de la ville. Explique que non, il y a un concours national, il y a des pratiques. Elle dit « Pourquoi vous ne voulez pas le faire pour moi, vous l'avez fait pour d'autres. » Et elle n'y croyait pas. Et très fâchée, etc. Il y a des demandes hallucinantes, des demandes de passe-droit, des demandes... Il y a aussi ça existe. Et les citoyens de Levallois sont très contents. La ville s'est beaucoup développée. Il y a des équipements incroyables. Ils sont endettés pour eux, leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais ils sont très contents de ça. Donc, il y a des lieux d'intervention. Beaucoup autour de ces questions du rôle des partis, du choix de la décision majoritaire ou de l'introduction d'une partie proportionnelle, parce que la proportionnelle changerait et un retour à un calendrier changerait quand même un peu la donne. Moi personnellement, je suis choqué de voir que le parti qui obtient les meilleurs scores aux européennes et aux régionales a deux députés. Je trouve que c'est quand même un vrai souci qui entretient une amertume et un désenchantement démocratique chez ses électeurs, pour de vrai. Il y a un vrai problème. C'est pas... Parce que là, il n'y a même pas de front républicain. Enfin, voilà, c'est la décision majoritaire dans des circonscriptions. C'est à peu près aussi injuste que
Madame Clinton battue en ayant près de 3 millions de voix de plus que son concurrent. Donc il y a une vraie réflexion à mener sur nos pratiques de citoyens, sur le vote obligatoire ou pas, sur le rôle des partis. Il y a des vrais... Mais c'est ça qui est bien aussi dans cette période, c'est de voir les cartes. Moi, je pense qu'on vit la fin d'une parenthèse qui s'est ouverte fin 18e, dans la langue politique, dans le système représentatif, dans l'adhésion à la décision majoritaire qui s'impose seulement dans la deuxième moitié 18e, et qu'on vit un peu cette fin-là. C'est-à-dire la décision majoritaire n'est pas forcément toujours juste, elle réduit au silence les minorités, elle les réduit éternellement en leur disant qu'en plus c'est juste qu'ils soient réduits au silence. On vit un peu, peut-être, la fin de ce cycle ouvert, fin 18e. Battons-nous pour que cette fin reste une fin républicaine démocratique et pas une fin totalitaire ou une fin autoritaire. Voilà. C'est un peu le sens de la création de ce centre qu'on vient de lancer. On espère. Je vous propose qu'on s'arrête là pour respecter l'horaire. Oui. Juste en guise de transition d'une peut-être future rencontre, vous nous dites deux mots du rendez-vous de novembre prochain en territoire lyonnais. Alors deux mots, d'abord je maintiens la promesse de vous envoyer à tous un exemplaire de ce tiré à part là, de la revue de l'histoire, s'il vous a convaincu. Le texte de Skinner est assez neuf et assez intéressant parce qu'il résume un peu toute cette école Pocock, Skinner, Cambridge, le républicanisme néo-romain. Le texte de Vincent Payon vous sera plus familier. Donc j'envoie une cinquantaine d'exemplaires. Et alors nous avons un projet peut-être en commun avec l'Université de Lyon 2, l'Université de Lyon 3, l'ENSIB, la bibliothèque municipale, le RIS, les archives municipales, les archives de Villeurbanne, on espère la mairie, l'Université de Lyon en tant qu'entité, un projet qui s'appelle Dévotion, dévouement, engagement, deux points, servir la cité, qui aura lieu en novembre. On n'a pas encore exactement les dates, on va décider ça demain matin. L'idée, c'est d'avoir un volet colloque sur, par exemple, les moines qui rentraient dans la Vita Contemplativa pour faire le salut, pour prier pour le salut des autres, ou les dévoués romains que je citais tout à l'heure, Marcus Curtius sautant dans les fosses enflammées pour sauver Rome avec son cheval, ou l'engagement politique. Qu'est-ce que c'est que l'engagement politique ou l'engagement syndical? Donc s'engager au service des autres, s'engager pour le bien commun, s'engager quitte à renoncer à son temps propre, à son intérêt particulier. Donc un colloque universitaire, et à côté on voudrait faire un forum avec l'école, avec l'ENSIB, avec les archives, avec des ONG, avec des syndicats, avec des associations, et on voudrait que ça ait lieu ici, au RIS et à Villeurbanne. Voilà, donc un parti colloque à Lyon sur les quais. Et puis la partie forum des associations, forum des ONG, on voudrait faire avec Triangle, avec Handicap International, avec l'Observatoire des prisons. On est demandeur de bonne volonté, d'idées, de suggestions. On va vite créer une adresse. Il y a une adresse mail qui existe déjà, qui s'appelle moderniterépublicaine@gmail.com. On attend des suggestions, des offres. On peut imaginer plein de choses encore. D'autant plus qu'on a des moyens illimités, comme tout le monde le sait. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.